On est parti sur les mêmes bases que pour la saison 1, donc avec trois blocs de tournage, avec trois réalisateurs différents. On est, comme vous le dites, à la fin du premier bloc, donc réalisé par Mathieu Mortelmans. C'est très agréable de travailler avec un réalisateur comme ça, parce qu'il sait exactement ce qu'il cherche, et c'est quelqu'un qui ne lâche pas tant qu'il n'a pas exactement ce qu'il veut. Il est perfectionniste et il emmène ses acteurs et son équipe technique à avoir la même exigence de travail que lui, et ça c'est très agréable évidemment. J'ai toujours voulu être comédienne, mais je ne me le suis avoué qu'assez tard, finalement. À 3 ans, mon but dans la vie, c'était de faire rire tous les potes de mes frères, de faire rire les amis de mes parents, de jouer des scènes, de monopoliser l'attention dans tous les repas de famille. Je pense que ça me donnait déjà une petite clé de ce que j'avais envie de faire. Et puis voilà, après, j'ai fait un peu d'impro quand j'étais plus jeune et puis j'ai fait des cours de théâtre. Comme vous le savez, Unité 42, ce sont des épisodes semi-bouclés. Donc chaque épisode est une enquête propre. Et par ailleurs, il y a des fils rouges propres à chacun des personnages. Ici, les trames feuilletonnantes des personnages sont assez fortes. Il y a des chouettes trucs qui s'y passent. Il y a aussi les épisodes 1 et 2 qui, en fait, sont une seule enquête. On a un petit peu changé la formule de manière à pouvoir faire sur une soirée. Ce sont deux épisodes qui se suivent, qui couvrent une seule trame principale. Et en termes de densité des histoires, des différentes trames, c'est plus dense, plus rebondissant, je pense, que la saison 1. Action ! Mais ce que je peux vous dire, c'est une jeune étudiante qui se bat pour l'action citoyenne. Voilà. Ici, pour la série, il n'y a pas eu énormément de préparation pour le rôle, parce que voilà, c'est un rôle de guest, etc. Donc c'est un rôle important dans un épisode. C'est assez rapide par rapport à un long métrage, donc c'est bien d'être très calé sur ce qu'on fait en amont. C'est conséquent, je pense que l'équipe technique et les comédiens font des grosses journées et il faut être assez efficace, quoi. Ça apprend juste à être là, à l'instant T, et à être très focus sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. C'était toujours, depuis le départ, sur Unité 42, mon désir d'impliquer des gens dans le pays qui est le nôtre, qui est la Belgique. Et il y a des réalisateurs flamands, il y a l'équipe image qui est majoritairement flamande, puis on a beaucoup, évidemment, la vaste majorité des gens sont bien, bien naturellement francophones de Bruxelles et de Wallonie, mais sinon, sur le plateau, on entend 3 langues tout le temps, quoi. Moi, je trouve ça positif. Ils ont trouvé des décors assez fascinants parce que ils tournent en fait dans un ancien hospice en plein centre de Bruxelles, qui est une espèce de petite pépite niveau architectural. Je ne sais pas si on en voit grand-chose de l'extérieur, parce que toutes des scènes d'intérieur. Et l'équipe déco a fait un travail fabuleux, parce qu'elle a recréé de toutes pièces un commissariat, des salles d'interrogatoire, et puis aussi... On a fait une scène assez incroyable dans la chapelle de l'hospice qui était complètement revisitée sous un autre jour. Voilà, qui ne sert pas du tout de chapelle, vous découvrirez dans la série, mais qui est utilisée à un autre but. Qu'on a un pays qui a plein de talents à tous les niveaux, et dans le cinéma, et dans le théâtre, et au niveau des acteurs, et des metteurs en scène, et des réalisateurs, et qu'il ne faut pas en avoir honte ou minimiser les choses, et je pense qu'il faut les porter, avoir confiance dans ces gens-là, et leur permettre de faire des grandes choses avec des budgets qui vont en conséquence. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.